Ils étaient une centaine, famille, amis, anonymes, à rendre un dernier hommage au roi de la cascade. Rémi Julienne, l'homme aux 1400 productions, est mort le 21 janvier dernier à 90 ans. Dans son village à Sépois, près de Montargis, l'émotion est toujours grande. Pour moi, il était immortel, cet homme-là. Immortel. Et puis, sa disparition m'a fait vraiment un choc. Donc, je voulais être là pour lui. Et il fait partie de mon livre d'histoire. J'ai travaillé un peu avec lui et je suis heureux. Vraiment heureux d'avoir travaillé avec lui. Un très grand monsieur. Et moi, c'est une grande perte. Donc, je lui dis au revoir, l'artiste. À l'intérieur de l'église, sa famille, mais aussi des cascadeurs comme Mario Luracci ou encore le comédien Raphaël Mesrahi. On avait les mêmes délires, on avait des idées, il faut qu'on aille au bout de nos idées toujours, et c'était très fusionnel, et vraiment ça fait, ça fait chier de perdre des gens qu'on aime, et on en perd de plus en plus aujourd'hui, c'est absolument insupportable quoi. Jean-Paul Belmondo, son acolyte sur une dizaine de films, n'a pas pu se déplacer. Son avocat Michel Godest a rappelé l'émotion de l'acteur. Il est plus qu'ému, il est très triste. Il perd un peu son, comme je l'ai dit, son double, son ombre. Ça a été une véritable équipe pour pratiquement tous ses films, puisque Jean-Paul, dans tous ses films d'action, dirais-je, faisait toujours des cascades. Et il n'y avait jamais de cascade sans Rémi. C'est impossible. Après la cérémonie, la foule a accompagné la famille jusqu'au cimetière de Sépois, où Rémi Julienne a été enterré dans un cercueil bleu-blanc-rouge, dans la plus stricte intimité familiale.